Agriculture devenue un véritable chaudron. Entre portes enfoncées, sifflets, huées, affrontements entre forces de l'ordre et agriculteurs, 6 ont été interpellés, 8 policiers blessés. La journée a commencé dans une cohue générale hier à l'arrivée d'Emmanuel Macron venu inaugurer le salon de l'agriculture. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour Alban, bonjour à tous. Geoffrey, on l'entend, hein, vous vous trouvez dans le pavillon 1 du salon, là où la colère des paysans a éclaté hier. On n'avait jamais vu ça, hein, 24 heures après. Dans quel état d'esprit sont les éleveurs ce matin ? Eh bien forcément, ils s'attendent à une journée plus normale pour un salon de l'agriculture avec du monde dans les allées toute la journée et notamment du côté d'Oreillette, la vache star de cette 60e édition. Jeannie est en train de la chouchouter avant l'ouverture des portes dans une heure. Eh bien aujourd'hui, c'est le vrai lancement qu'on ait beaucoup de visiteurs parce que c'est le pavillon 1, c'est là où il vient beaucoup de plus, le plus de gens voir les animaux. Donc bah, c'est important que ça se passe très bien. Mieux qu'hier, quoi, que le salon ne soit pas fermé comme hier toute la matinée, quoi. Donc aujourd'hui, on souhaite qu'il y ait une journée dans plein de monde dans les allées, quoi. Et évidemment, les éleveurs du pavillon 1 espèrent surtout que cette journée se déroulera sans encombre et que les visiteurs pourront pleinement en profiter, comme l'explique Julien, éleveur du côté de Montbéliard. Il ne faut pas oublier que le hall où il y a tous les animaux, c'est le hall qui attire le plus de monde. Mais quand on voit une famille qui a 2 enfants et qui attend 3 heures devant une porte, qui arrive au milieu des vaches, pas en 14 heures ou 15 heures, qui ont payé le prix qu'ils ont payé, et puis pour finir, ils ont profité du salon que 4 heures de temps au lieu de 8, c'est un peu limite. Et c'est vrai que le salon, il fait aucun effort vis-à-vis de ces gens-là et c'est un peu dégueulasse. Dans moins d'une heure, les visiteurs pourront accéder à ce pavillon. Tous les éleveurs sont à la tâche pour les accueillir dans les meilleures conditions. Changement de la paille, toilettage, traite. C'est déjà l'effervescence ici pour ce qui ressemble à une vraie première journée. Merci beaucoup Geoffrey Branger en direct du salon de l'agriculture pour Europe.